Eh bien salut à toutes et à tous, Slime Company, j'espère que vous allez bien. Deuxième épisode de notre aventure sur Superliminal, un petit jeu qui est, ouais, subliminal, je pense qu'on peut le dire. N'hésitez pas à aller regarder la première vidéo, le premier épisode si vous n'avez pas encore vu, parce que vous avez une demi-heure à admirer. Je pense que c'est vraiment le bon mot. Voilà, petit jeu disponible grâce au Xbox Game Pass, disponible sur Ineba pour 5€. En ce qui concerne l'Ultimate, donc voilà, je mettrai en description. Et nous, on continue cette aventure absolument phénoménale, complètement dingue, complètement folle. Ça, je sais toujours pas à quoi ça sert, mais je suis persuadé que ça servira à quelque chose à la fin. C'est sûr. Alors, on continue toujours dans cette sorte de chambre d'hôtel, qui change totalement l'ambiance de l'hôpital. Ok, très bien. Petite musique toujours très reposante, très sympa, je suis sûr que ça vous avait manqué. Et il faut suivre le panneau sortie, nous répétait le bonhomme dans la radio. Le bonhomme qui nous rappelait évidemment qu'on est perdu. Et et c'est tout ce qu'il savait nous dire, hein, c'est qu'on est perdu. Ben ça, on savait déjà qu'on était perdu. Oh. Alors, il y a... Me dis pas qu'on peut prendre la lune. Je pense sincèrement pas, mais attends, imagine on peut prendre la lune. Non, non, je vous jure que c'est pas scripté. Oh, c'est incroyable. Et ça me paraissait logique en plus, quoi. Oh mais je suis refait, je vous jure que j'avais pas calculé ça. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Alors, je suis pas sûr, voilà, ne pas reproduire ce que vient de dire le bonhomme, hein, je suis pas sûr que ce soit une très très bonne chose. Par contre, on va tout utiliser, ça peut être vraiment pas mal. Hop, voilà. C'est quoi, on va mettre ça. Ah mais du coup la lune elle vole. Ok, par contre ça m'aide pas vraiment dans ce que je dois faire. Ok, faut défoncer ça, allez 100% les gars. Eh non mais je peux pas, comment on défonce ça? Ah oui, je suis con moi, je peux pas jeter le machin. Ok, on va agrandir ça. Oh mais putain, quel con. Excellent. Allez, alors évidemment, hop. Incroyable, non mais franchement. Et tu reviens sans pression, attendez. Je trouve ça ouf, vraiment Je suis absolument fasciné, je sais même pas comment les jeux sont codés pour pouvoir fonctionner. Gros respect aux développeurs, hein. Déjà développer un jeu vidéo c'est pas facile, mais alors là, je sais même pas comment tu peux faire ça. Ne soyez pas perdus, donc faut toujours suivre évidemment les sorties de secours. Une personne normale fait 3 à 5 nuits par rêve, enfin 3 à 5 rêves par nuit, ok. 5$ pour la bière. Qu'est-ce qui se passe s'il y a du feu dans l'ascenseur? Ne rencontre pas la sœur in LQW. In law? Lao? La loi? What the fuck? Ok, bon, ça veut dire qu'il faut prendre l'extincteur sur nous dans l'ascenseur, non? Je peux pas le prendre, j'ai trop le seum. Eh ben, on va brûler en enfer, à mon avis. Allez, adieu, hein. Oh, trop stylé. N'oubliez pas le pouce bleu bien évidemment les amis. J'espère que vous kiffez. Imagine c'est la fin du jeu tu sais. Imagine. Quoi? 1000%? Mais c'est un troll jusqu'au bout ce jeu hein. Allez on se réveille à nouveau. D'accord mais c'est Inception en fait. C'est Inception. Genre on fait 3 à 5 nuits 3 à 5 rêves. Et là bah c'est la fin d'un deuxième rêve en fait. Donc là on fait un nouveau rêve, je pense. Ouais. 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 Hop, on dérègle tout. Voilà. Et puis là, j'imagine qu'on va encore tomber dans le vide. Même pas. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. M'en bats les couilles. You will rectify this failure immediately. M'en bats les couilles. Je fais
Quoi je veux, perception is reality. Mais c'est vrai que cette phrase, elle veut tout dire. C'est signé Your Friendly Doctor. Superbe. Par contre, il n'y a rien à faire hein, ici. Hein. Ok, ah, peut-être ça à récupérer pour monter là, par exemple. Hop. Ça régale. Je pense que je peux passer là. Parfait. Privé, très bien. Rien à péter, moi je fais ce que je veux dans mes rêves. Personne me dit quoi je dois faire dans mes rêves. Bon là par contre c'est de plus en plus simple. Étonnant me direz-vous. Étonnant, que va-t-il se passer derrière? Je ne sais pas mais... Il va se passer. Ah. Je prends ça, putain. Ok, alors attends. Bouge pas. Eh. Ah. Bon bah dommage. Dommage, j'aurais bien aimé passer. Pour être honnête. Hein. Oh là. Oh non. Hein. On fait pas ça. Hein. On fait pas des trucs qui font peur, hein, s'il vous plaît. Hein. Hop. Voilà. Oh là là. Professional tip: the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. T'inquiète, hein, je vais pas faire de burn-out, hein, j'adore les rêves. T'inquiète pas pour moi, ma copine. Oh! Oh! Excellent. Mais du coup, ça veut dire que je peux les prendre? Ah non. Ah non, j'ai rien dit. C'est vraiment juste de la peinture pour le coup. D'accord. Non, mais là, j'étais en avance sur mon temps. Très bien, d'accord. On a une belle petite salle de spectacle, si je puis dire. Ah, mais voilà, il faut aller là. Je croyais que c'était un cul-de-sac. Très bien. Bon, bah écoutez. Pardon. Oula. Ok. Ok. Mais qui c'est que cette histoire là? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Hop. Voilà, on a pété moi. Oula. Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Ouais. Je t'ai déjà dit, je fais ce que je veux, madame. Voilà. Vous inquiétez pas, hein, je vais y arriver. Il faudra que j'arrive à agrandir comme je veux le machin. Oh, je crois que c'est bon, j'ai réussi. Et là, regardez. Hop. Et voilà le travail. J'adore. C'est tellement satisfaisant pour le cerveau, n'empêche. Impressionnant. J'ai l'impression que je vais devenir fou, justement, mais je crois que ça me plaît, en fait. Hein. Oh. Ah oui, non, mais là, là, il faudrait pas se foutre de ma gueule non plus. Hein. Là, il faudrait qu'on puisse passer. Voilà, merci à tous. Bon, là, ça va se casser aussi, à mon avis. Oh, purée. Oh, purée. Ah. Impressionnant. Impressionnant. Mais vrai. Ok. Mais écoutez, on va suivre le chemin qui s'offre à nous. Encore un ascenseur. On fait que de monter, on fait que de descendre. On sait pas ce qui se passe, mais il se passe. Ça fait longtemps que le mec de la radio ne nous a plus parlé. C'est bien dommage, il me manque. Et rien que la barre de chargement est rigolote. Alors là, il n'y a pas de pourcentage, mais... Mais wesh, regardez. Non mais voilà. N'importe quoi. Allez, le nouveau rêve qui se termine. Non mais franchement, avant on était sur du 1000% au lieu de 100%. Et là, la barre de chargement, elle a fait le sens inverse. Non mais c'est du génie. Ça va être quoi la prochaine étape? Donc là c'est le quatrième rêve je crois. En tout cas, troisième. Là c'est le quatrième. Et 5h du mat. Donc on va arriver vers la fin, je crois bien, du jeu. Je pense. On a encore un bon petit moment à passer ensemble. Mais putain, c'est super cool. Ah. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce.
And despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? C'est du Bob Marley là que tu viens de chanter, hein. Je suis pas en train de rêver. Sun is shining! Ok, c'est un jeu d'horreur, hein, dès à présent. Non, la flemme. La flemme. Ah, je continue, j'avance tout droit, hein, m'en bats les couilles. M'en bats les couilles. Oh là! C'est un robot tueur, ça? Oh là là. Allez, je cours. Ah, j'ai peur. Ah, j'ai peur. Ça, ça sent la bonne illusion d'optique des familles. Ah non. Ok. Pas si ouf que ça, en vrai. Ok. Ok. Je peux aller là? Non. J'ai des bonbonnes de gaz, mais je m'en fous, moi, de tes bonbonnes de gaz, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi? Je comprends pas. Ok. Écoutez, on va... continuer. Ah! Meurtre, meurtre, meurtre. Alors, je peux même pas faire la vanne parce que Beans, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai trop le seum, c'est sûrement très drôle. Les gars. S'il vous plaît. J'en ai oublié ce que je devais faire. Superbe. Je me chie dessus. Je vois rien. Par contre, je vois rien, hein, donc si on pourrait me guider si je m'en vais. Je suis un génie. Oh! Je suis un génie du mal. Je saurais me sortir de n'importe quelle situation par là-bas. Incroyable. Non mais on est sur... Pourquoi ça me fait penser à... Ça me fait penser à un truc. Non, pas les backrooms. Ça me fait même pas penser aux backrooms, ça me fait penser à Squid Game alors que ça n'a aucun rapport. Comment ça se fait? Je ne sais... Pourquoi ça me fait penser à Squid Game? Je ne sais pas. Très bizarre, mais on a réussi à s'en sortir. Donc ça c'est chouette. Enfin c'est pas fini, vous me direz. Voilà, ça ferme la porte derrière. Superbe. Alors c'est bien parce qu'il y a... Il y a du sang. Oh purée. Oh là là. Et on redescend et on retombe. Et ça ne fait que ça. Donc il suffit de pas tomber, bande de cons. Et regardez. Ah. Oh là. Ok, j'ai capté. J'ai capté, ça rigole pas. Oh non. Non mais là bah non, du coup. Je peux pas, il faut que je fasse demi-tour. Ah, voilà. Let's go. Mais c'est vrai que ça fait un peu Squid Game. Bon, on n'a pas les mêmes refs, hein, visiblement. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you, the kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Ben, en tout cas, j'ai l'air d'avoir une vie heureuse là, j'en suis ravi. Absolument. Comme tu dis, hein, c'est vraiment la joie ici. Bonjour. Non. Alors ça c'est chiant. C'est très... Ah, c'est excellent. C'est juste un pion, hein. J'ai envie... Eh, dommage que Halloween se soit déjà passé parce que là en vrai j'aurais eu ces idées à faire dans la vraie vie là. Ok. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, plutôt détente. Par contre là c'est très obscur là-bas, hein. Bon. Eh ben ça va péter. Oh non. Bon bah j'avance, hein. Rien à péter. Oh. Faut avancer en marche arrière, j'ai remarqué, regardez. Hop, à droite. Donc je vais à droite. Et voilà un escalier. Je ne comprends pas non plus, hein, je vous rassure. Donc là on est en train de monter des marches. On suit les petites loupiottes. Ok. Warning.
You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Ouais. Et alors? Ça m'amuse, j'aime bien. Et où le problème? Ah. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ah, casser peut-être les planches. Je sais même plus comment on fait pour agrandir. Ok, c'est bon, je recule. C'est même pas si grand que ça. Non. Ok. Est-ce que ça va casser les planches ou pas? J'ai pas bien l'impression. Ah ah! Qu'est-ce que je suis censé faire? Si je reviens en arrière. Bah c'est crétin. C'est bel et bien... Hop, ça fait plaisir. C'est bel et bien ici qu'il faut aller, messieurs, dames. Ah, ça peut nous aider à éclairer la pièce. Bah ça nous aide pas grand... Pas vraiment. Hein? C'est un petit peu con là quand même. Oh. Bah non. Ah c'est pas mal. En vrai ça éclaire la pièce. J'ai l'impression que ça sert à quelque chose. En même temps je vois pas quoi. Superbe. Mec, c'est du génie, c'est du génie. Fallait revenir en arrière. Et en plus, du coup, la flèche, elle disait d'aller à droite, donc ça tombait super bien. Ok, très bien. Une salle secrète. Ouais, faut beaucoup jouer avec l'obscurité. Bah, je vais continuer de la garder. Ah, c'est ça, elle fait la lumière. Hein. Elle fait la lumière. Ah, je peux pas monter. Mais si, je peux. Hop, par là, par là, par là. C'est pas très évident. Ok. Toujours garder le panneau. Hein. Là, sans le panneau, tu sais que sans le panneau, bah en fait, on voit rien là. Hein. Ok. Eh ben, parfait. Parfait, parfait. Alors, on peut pas passer avec l'objet. Hop! Plutôt bien joué de ma part. Attendez, on change pas les bonnes habitudes. Voilà. Ensuite, on a encore un panneau lumineux. Je le prends. Ah bah d'accord, je peux pas. Oui, bon bah voilà. Bah je vois rien, attendez, je peux pas prendre la lumière. Putain, je peux pas. Je peux pas l'emmener par au-dessus. J'arrive pas à voir. Ah, regardez, ça y est, on voit à travers du coup là. Et regardez, il y a une porte en haut. Énorme. Oh, c'est. Et les gars, ça fait du bien au cerveau, mais vous avez pas idée. J'espère que vous aussi, ça vous stimule si vous essayez de réfléchir en même temps que moi. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Alors je sais pas du tout si c'est vrai hein, toutes ces statistiques sur les rêves, tout ce qu'ils racontent depuis le début, je sais pas si c'est des conneries ou pas. Parce que si c'est vrai, c'est super intéressant. Mais si c'est faux, bah c'est complètement con. Donc il faut pas retenir. Mais si c'est le cas, c'est stylé. C'est-à-dire qu'il y a 1% de la population qui serait capable de faire des rêves dans des rêves. A priori, si c'est réel hein. Oula. Alors. Wouah. Let's go. Eh, hey, on mange quoi à midi? Trop bien. Trop yimbe. Allez, ça régale. L'ambiance a changé, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon bah on se rebarre aussitôt aussitôt venu. C'est le retour de l'ascenseur. Est-ce qu'on va avoir encore un chargement original? C'est pas impossible. Enjoy avocados. Ah je suis mort. Ah. Mais wesh. Yo mais là c'est trop. Mais c'est incroyable. Hey, c'est du génie hein. C'est juste du génie hein. Moi j'appelle ça une œuvre d'art hein.
J'appelle ça... Yo. Arrêtez tout. Je suis sûr qu'il y en a. Ils ont plusieurs réveils dans la vraie vie comme ça, exprès pour être sûr d'être réveillé, quoi. C'est comme ceux qui mettent plusieurs alarmes toutes les minutes au cas où pour être sûr. Ah là là. Exceptionnel. Allez, on enchaîne. On enchaîne, c'est par ici, messieurs, dames, bonsoir. Hop, c'est un green screen. Très bien. Allez. C'est le retour des bonnes habitudes. Bon, bah. Oh non. Je peux pas prendre les objets? Parce qu'ils sont... bloqués. Oh, faudrait trouver un tournevis. Faudrait tourner un tournevis. Alors attendez, déjà, là je... Vous voyez? C'est ouvert, c'est-à-dire que je peux récupérer... je peux récupérer un truc d'ici. Ah mais non mais... Moi je voulais prendre un tournevis... je voulais prendre un tournevis, frérot. Carrément le mec qui voulait un tournevis, il s'est pris pour Bob le bricoleur. Toi tu te tais. Oh. Oh. La classe à Dallas. Voilà une vraie musique, du bon jazz. C'est trop bien. Ah, bah je trouve ça un peu moins bien. Ah, ça va faire un escalier. Excellent. Excellent. Et là, on est dans les nuages. Attention, Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. And other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. Ça va être très vite être chiant, ça. Clic droit pour restaurer. D'accord. Ah! Bah voilà. Suffit de faire un... Suffit de faire un... Soit on fait un escalier, ou soit on fait ça. Ouais bon, on va faire ça. On va pas se casser le cul là, on va faire une montagne de réveil. Hein. Rien à péter. Là je pense que là... On va pas être trop mal. Bon, regardez. Hop, et voilà le travail. Regardez le curseur de la souris. Regardez le curseur de la souris. Non, mais c'est trop. C'est trop. Ils nous mettent un smiley carrément. Énorme. Ah, ils se font des plaisirs, les développeurs. Ils se sont fait des plaisirs. Je découvre ce jeu 3 ans après. Même 4 ans après. Non, 3 ans après. Je suis pas déçu, hein. Je suis pas déçu. Alors... Comment se fait-ce que ça ne veut pas s'ouvrir? Oh, c'est... Eh ben voilà. Ok. Je savais que ça servirait à quelque chose un jour, ça. La pomme roule. Oh, bien sûr! Il faut dégager la pomme. La pomme roule quand on la pousse. Attendez, il faut dégager la pomme. Voilà. Hé, hey, il y en a là-dedans. Il y en a dans la caboche ou... Ok. Du vent qui pousse la pomme. Regardez. Ah, je peux pas la prendre. Je peux pas la prendre dans la main. Moi, est-ce que je décolle ou pas? Non. Je peux monter là-haut. Ok. Et la sortie est là. En gros, faut que je ramène la pomme ici. Sauf que vous voyez, je peux pas la prendre dans ma main. Oh! Vous allez voir, ça va servir à quelque chose. Bah non. Les pommes des pop ou... Ah non, elles tombent! Ah merde, y'a un vide là-bas!
Ok. Il y a un vide là-bas. Alors attendez, je réinitialise. Voilà. Il y a du vide ici. Est-ce qu'il faudrait pas sauter dans le vide? Voilà, c'était pour mon petit plaisir. En fait, il faudrait que la pomme s'envole mais monte en haut de des escaliers. Attendez. Je vais la faire rouler, elle. Ah, je peux pas la faire rouler, là? Ah, ça y est. Allez, roule. Ah ouais, elle est trop grosse, en fait. Alors, je vais prendre une petite. Putain, mais elles sont trop grosses. Ok. Allez, avance. Avance! Par là-bas! Ah ouais, ça va être très compliqué. Ça y est, c'est bon, j'ai. Ça y est. Et là... Là, il faut faire attention. Oh non. Mais non... Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Ah vas-y, roule. Roule. Roule ou je te déroule. Pourquoi j'avais pas à la faire rouler comme je veux là, hein? Bon, je recommence. Ah là c'est pas facile. Là c'est vraiment pas facile. Merde. Ok, elle j'arrive à la faire. Pardon. Ok. Elle j'arrive à la faire rouler. Pas là où je voulais mais... Je sais pas où tu vas ma soeur. Voilà. Là il faudrait. Il faudrait que t'ailles là tout doucement. Et là si jamais. Oui. Non. Putain. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Ça me fout le seum. En fait faudrait peut-être pouvoir. Ou alors il faudrait déplacer ça pour que ça aille vers les escaliers? Vous pensez? Attendez. Si je fais ça, ça fait que des grosses pommes. Faudrait peut-être que je... Oh, je sais. Il faut que je pousse le ventilateur. Allez, roule. Mais pourquoi ça roule pas? Pourquoi il y en a qui roulent et d'autres qui roulent pas? Ah, c'est elle, commence à rouler. Ouais, d'accord. Allez, mais putain, pourquoi ça roule pas? C'est quoi, c'est... Ah là, ça roule, ça y est. C'est bugué, hein. C'est grave bugué, hein. Vas-y, on va essayer de pousser le machin. Oh non. Et là, par contre, ça me fait dérailler. Ça me fait péter un plomb. Il y a sûrement une autre solution, à mon avis. Ouais. Oh! Je suis un génie. J'avais réussi à sauver deux pommes là, vous avez vu? J'ai trop le seum. Attendez, il y a vraiment moyen de faire un truc là. Il y a vraiment moyen de faire un truc là. On peut encore sauver l'honneur là. Regarde, tu me ramènes la boule là, la pomme là. Hop. Ok, ça veut pas là. Là, est-ce qu'on arrive à la défoncer ou pas? Vas-y. Oh, c'est impressionnant. C'est impressionnant, elle fait sa rebelle la pomme. Allez, va là-bas. Oh, allez, c'est pas possible. Allez, hein. Voilà, tout était une question de perspective. Allez, ça c'est fait. C'est incroyable ce jeu. C'est juste pas possible. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Pas de problème. Maintenant j'ai tout compris comment faut faire. Regardez, tout est une question de perspective. Hop, je me suis fait mon petit escalier. Tranquillou-bilou. Oh là. Ok, bah j'y vais. Pas de problème. Oh, on est encore dans les nuages. Ok, j'adore ce qui se passe. J'adore ce qui se passe. Attention, Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. D'accord, laisse-moi parler au mec. Hello,
Name is my Pierce, Dr. Glenn. To the Somnisculpt Welcome Experience, team of your care leader, patient years 10 development. Condition struggle you whatever with? Professional invention. Edge science with cutting, a tomorrow can bright. And buts, no ifs or look good. Mm-hmm. Très bien. Eh ben c'est le retour de l'ascenseur avec un nouveau chargement qui risque d'être fort amusant encore. Feels friendly family produce. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Loading. The level is... Oh, j'ai pas eu le temps de lire. Oh non, c'était certainement un indice. Il est 7h, probablement un des derniers rêves. Pas sûr, c'est pas sûr. Oh, et là on peut aller en face. Relaxation room. On va pouvoir se relaxer. Eh bien les amis, on va se réserver ça pour le prochain épisode. Je me pète une barre si il reste plus qu'un niveau, mais c'est pas grave. On va se réserver ça pour le prochain épisode. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ils adorent les nuages ici, hein, j'ai remarqué. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, ça régale. N'hésitez pas à essayer ce jeu, franchement, c'est vraiment stylé. Le lien est en description pour le Xbox Game Pass à 5€ au lieu de 15€ sur Eneba. Faites-vous plaisir. A très vite, c'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.